Salut tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, je vous avouerai l'un de mes péchés mignons. J'ai toujours adoré les voitures de couleur verte. C'est vraiment un énorme kiff et je me suis toujours promis d'en avoir une un jour. Alors, vous en doutez, j'ai pas résisté très longtemps à l'envie de vous présenter cette Shelby GT500. C'est un modèle 2020. Elle est incroyable, je la trouve magnifique. C'est vraiment mon coup de cœur absolu, je crois. Enfin, tout ça, je vais vous l'expliquer après la petite séquence en musique. Vous avez l'habitude maintenant. À tout de suite. Bon, je vous reprends. Vous noterez que le plateau a un petit peu de mal à tourner, tout simplement parce que cette miniature est vraiment extrêmement lourde. Et forcément, quand on a une miniature lourde, ça donne un sentiment de qualité. Et là, il faut dire ce qu'il en est, c'est une miniature d'une qualité assez incroyable. Alors, c'est une miniature GT Spirit. Si vous ne connaissez pas ce fabricant, c'est en gros Automobile, je pense que vous connaissez, qui ont créé une seconde société qui est consacrée à des véhicules un peu plus prestigieux. Alors, pas en termes de finition, quoique c'est quand même peut-être légèrement dessus, mais surtout en termes de prestige du véhicule en lui-même. Et là, je pense qu'en termes de prestige, on est quand même assez haut. Alors, déjà, je vais arrêter le plateau et on va parler... Voilà, ah, je vais essayer de vous faire pile poil en face, voilà. Voilà, je pense que cette vue-là est déjà assez parlante. Vous le reconnaissez à la base, c'est une Ford Mustang de dernière génération, à savoir un modèle 2020. D'ailleurs, petit aparté, sur la chaîne PDLV, et notamment sur le site pdlv.fr, on a pu tester une Mustang V8 Cabriolet, donc pas une GT500. Je vous invite à aller voir le lien dans la description, je pense que ça pourrait également vous intéresser. On revient à la miniature. On a donc une gueule qui est incroyable. La Shelby GT500, c'est en gros une Mustang dopée aux hormones. Alors, il y a la GT350 qui est déjà un monstre, et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a donc cette GT500. Donc, c'est vraiment un concentré de brutalité. Je pense que je peux pas dire autre chose de ce véhicule-là, le look est vraiment féroce. C'est vraiment une Mustang extrapolée de la pire manière qui soit, ce qui en fait une voiture purement géniale. D'ailleurs, je vais la tenir un peu comme ça. Alors, c'est vrai qu'elle est très lourde. Déjà, on note deux choses. Déjà que ce vert est absolument somptueux, mais également que les ailes sont vraiment très généreusement galbées, que le capot est largement ajouré, qu'on a un gros aileron avec un revêtement en fibre de carbone. Donc, sur cette miniature-là, c'est pas de la vraie fibre de carbone, c'est du plastique avec une imitation, mais ça rend très bien. On perçoit également une large lame avant qui est marquée Shelby. Eh ben, je me fais des muscles avec cette miniature, hein. Ça c'est cool. On a également des attaches de capot qui sont ici et là. On a ce vert qui a des reflets incroyables. Alors je sais pas si ça rend pareil à la caméra qu'en vrai, mais on n'est pas sur un vert extrêmement foncé. On est presque sur une teinte au final un peu nacrée. Enfin, c'est assez bluffant comme rendu. On a également de grandes jantes de 20 pouces qui abritent des disques de frein avant qui mesurent 40 cm, enfin à 5-6 mm près, ce qui est déjà énorme. L'avant est tout simplement démoniaque. Alors, un petit regret cependant, c'est que j'aurais aimé que GT Spirit nous fasse une calandre qui soit réellement percée. Or là, on voit que c'est un plastique uniforme, alors qui a été micro-creusé par endroits quand même, mais le rendu pourrait être un petit peu meilleur. Bon, c'est le seul gros défaut que je reproche à cette miniature-là, parce que tout le reste est vraiment remarquable. Les optiques sont très beaux, on retrouve les trois traits qui sont spécifiques aux optiques des Mustangs. Le logo GT500 qui apparaît sur la calandre. On a aussi, alors la miniature est quand même très très lourde, une bande latérale qui est badgée
EXP500, le sigle Shelby, donc qui est un Cobra tout simplement. On a aussi à l'arrière, alors on n'a pas les feux translucides, finalement je trouve que c'est cool d'avoir cela. Des feux qui sont rouges translucides, qui rentrent très bien. Des 4 sorties d'échappement qui s'apparentent un petit peu à un patator. Un superbe diffuseur qui est également très bien détaillé. Le logo qui est magnifiquement appliqué. Enfin, c'est une miniature qui présente admirablement bien. Et forcément, chez Shelby, le plumage vaut le ramage. Sous le capot, on trouve un V8 suralimenté de 5 litres 2 qui était poussé à 771 chevaux et 847 Nm de couple, ce qui en fait tout simplement la Mustang de série la plus performante qui existe et la plus puissante. Et malheureusement, qui dit plus puissante dit que ce modèle-là n'a pas été importé en Europe. C'est malheureusement dommage parce qu'aux États-Unis, elle est vendue à équivalence à moins de 100 000 $. Donc franchement, avoir un tel rapport prix-puissance, ça serait tout simplement imbattable. On note aussi qu'il y a également beaucoup de carbone par endroit. Shelby avait également fait le choix d'une boîte automatique à 7 rapports. On note aussi que l'intérieur est plutôt bien reproduit. Comme d'habitude, je vous rajoute des photos, parce que c'est une miniature en résine, donc il n'y a pas d'ouvrant. On a de beaux sièges baquets, qui ont une finition biton, alors avec une majorité noire, et des traits blancs qui sont appliqués. L'intérieur, on découvre une planche de bord qui est très bien détaillée, on a tous les compteurs et fonds de compteurs qui sont imprimés, la casquette qui abrite les compteurs numériques qui sont également imprimés, le volant qui est très beau avec sa double branche en bas, la console centrale qui est plutôt réussie dans l'ensemble aussi, on retrouve bien les Komodo et même la molette de sélection, donc ça c'est quand même super cool. L'arrière, malheureusement, on ne voit pas grand chose, voire même rien du tout, c'est pas très grave. Le volant, il a une marque à midi de couleur blanche qui donne une unité avec l'intérieur notamment, mais également la bande latérale. Et si on retourne un petit peu la miniature, on va essayer de découvrir un petit peu le châssis. Alors, j'y vais toujours très doucement parce que l'idée, c'est pas de faire tomber la miniature. Alors, on a une ligne qui est assez bien retranscrite, enfin une ligne d'échappement bien sûr. On retrouve des silencieux intermédiaires, les catalyseurs et les silencieux arrière avec bien sûr les doubles sorties d'échappement de chaque côté. Donc c'est plutôt une bonne surprise et à l'arrière on voit bien que ça rend bien, que la finition est soignée. Donc franchement rien à redire de ce côté là. Pareil pour les fixations de l'aileron que j'avais pas repéré tout à l'heure, qui sont vraiment très réussies dans l'ensemble également. Alors faites pas attention aux petites traces de blanc, c'est tout simplement des restes de polystyrène et de colle qui étaient dans la boîte parce que je viens tout juste de déballer cette miniature. Et le prix de vente, il fallait que je vous en parle un petit peu. On est sur une miniature qui était vendue l'équivalent de 100 €, c'est-à-dire 99,90 € ou 95 peut-être. Donc c'est un prix qui est à mon sens très bien placé, d'autant plus qu'une miniature dans une teinte comme ça, dans sa collection, c'est vraiment une dinguerie. La référence, c'est GT834. Et comme d'habitude, vous avez un lien dans la description pour la commander. Donc au final, c'est vraiment une miniature absolument somptueuse. Je vous la recommande très fortement. Si vous voulez la commander, vous avez comme d'habitude un lien dans la description. Je vais pas m'étendre davantage, je vous laisse vraiment l'admirer. Pour ma part, c'est l'une des pièces favorites de ma collection. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille. Bye bye !